C'est parti pour une petite routine du soir. C'est vrai que moi, je privilégie la routine du soir parce que je sais pas, je suis pas tellement une personne du matin. Donc du coup, je me dis que faire ma routine du soir comme je l'aime, prendre mon temps, c'est le mieux. Donc je me suis fait un peu à manger, j'avais la flemme, je vous avoue. Donc du coup, j'ai pris tout ce qui me restait un peu, un fond de brocoli avec des crevettes. Et je me suis dit que j'allais sauter ça vite fait avec des pâtes. Voilà, hyper simple, mais c'était super bon en tout cas. Évidemment, pendant que je fais à manger, je nettoie petit à petit. Parce que j'aime vraiment pas que les choses traînent et c'est juste mieux pour moi en fait, comme ça à la fin j'ai vraiment plus rien et je peux juste profiter de ma soirée ou aller au lit sans qu'il y ait quoi que ce soit qui traîne. Donc vraiment nettoyer au fur et à mesure, c'est vraiment la clé. J'en profite aussi pour pendant que ça cuit et tout, j'irai pas travailler un peu, juste ce jour-là j'avais créé un peu de contenu, donc du coup j'étais en train de regarder un peu ce que j'ai fait, essayer de voir ce que j'allais monter, etc. D'ailleurs c'était pour TikTok et c'est vraiment une première pour moi parce que TikTok c'était vraiment pas ma plateforme préférée et là j'essaie de m'y mettre, je trouve que c'est quand même assez fun, donc on verra là où ça nous mène. Bref, là j'ai enfin fini, c'est enfin presque prêt, un peu de beurre dans les pâtes, vous savez, et bien sûr faut toujours tester hein. J'ai pris une jolie petite assiette et j'ai fait un petit dressage. Franchement, rien de fou, mais c'est juste les petites choses qui font du bien en fait. Genre, juste, vous savez quand on dit de romanciser sa vie, c'est ce genre de choses-là, voilà. C'est juste des petits détails en fait qui vont faire que du coup, votre vie, elle va être romantique. Évidemment, j'ai bien tout mangé. Et comme je dis, du coup là, je lave ce que j'ai utilisé en dernier. Du coup, il n'y avait que mon assiette, donc ça, c'est super. Et regardez ce drop parfait, je m'y attendais pas. Hop, il s'est rentré direct, j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Bref, voilà, je nettoie tout et on est parti pour, je crois, se brosser les dents et faire ma vraie routine pour le coup. Enfin, vraie routine. Ça peut changer en fonction des soirs, mais voilà, en général, c'est ça. Alors là, ce qui va se passer, je prends mes vitamines, 30 minutes, voire une heure avant de dormir. Et j'ai tellement peur que ça touche ma langue que la moitié du temps je renverse de l'eau et ça a pas loupé, hop, voilà, je me suis crachée dessus et ça m'arrive un peu trop souvent, franchement c'est pas normal du tout. Bref, on va nettoyer tout ça et on va passer au lit, on va se mettre au lit tout simplement. J'essaie depuis quelques temps d'écrire dans ce petit livre, donc c'est une année de prise de conscience, c'est des petits exercices en fait et j'écris là-dedans tous les soirs et franchement ça me fait du bien. Je regarde un peu mon planning et ensuite c'est le temps de dormir. Bye bye.